Et bonjour à tous, ici Figo pour la suite de notre journal de bord sur No Man's Sky. On était venu dans ce système pour retrouver un vaisseau abandonné. On va d'abord se permettre de rejoindre la station spatiale et de faire les classiques qu'on fait dans une station spatiale, parler à tout le monde, apprendre la langue, etc. Et débloquer un nouvel emplacement excusez-moi, de combinaison. Exo, combinaison bien sûr. Allez hop, c'est hyper. Allez, ça passe bien sûr. Oula. Et en plus, j'ai quelques données de navigation que je pourrais utiliser. Est-ce que je peux pas m'atlasser? Je crois que ça exige un truc de niveau 1 ici, non? Ah non, pas s'atlas V3, ok, c'est pas pour tout de suite. Trop de gens qui parlent ici. Non, ce qu'il me faut, c'est pas de Twee, même si. Twee, tu peux servir à quelque chose, Twee? Un nouvel emplacement. Oh, allez! 200 000, oh, allez! Oh, allez! Ça coûte cher, là. 3 emplacements, c'est pas mal. Toi! Un truc gratos. On va améliorer. Non, pas ça tout de suite. Ça d'abord. Exo amélioré. Le vaisseau. Est-ce que je peux améliorer des trucs dans le vaisseau? Acheter du stockage 7 000. Ok, d'accord. Non, je m'améliorerai dans l'anomalie. Faut pas non plus qu'on perde trop de temps. J'ai envie d'aller découvrir ce vaisseau abandonné. Oh, c'est un endroit, Jake. Allez. Apprends-moi un mot, mon pote. Voyage. Interstellaire, parfait. Allez, apprends-moi ta langue là. Voyage encore. Étoile, parfait. Est-ce que là je peux rejoindre ma colonie? Ouais, je peux rejoindre ma colonie. Ça c'est pour avoir des données. J'ai combien de données de navigation? Moi je vais quand même checker. Alors, cartographique d'urgence, planétaire. Commercial, lune, colonie, j'ai déjà une colonie, mais par contre carte d'amélioration de combinaison. J'ai combien de. J'avais combien moi? J'ai combien de diagrammes planétaires? J'en ai 3. Non, j'en ai 9. Ok, ça c'est acquis. On peut toujours se le. Là. Peut-être sur la même planète que le vaisseau abandonné, et ça, ce serait bien pratique. Voyage encore. Coincé. Ah. Oui, agacé. Très bien. Métier comme. Bon, commerce, allez. Vu que vous avez l'air d'aimer la thune. Non, pas toi, toi, je t'ai déjà parlé. Va-t'en. En plus, vous êtes tous des marchands, donc. Commerce encore. J'ai pas vu c'était quoi le mot appris, mais bon. T'es mignon, toi, mais je peux pas me l'installer. Il y a tous les vaisseaux qui arrivent au même moment. Commerce. Sous-fifre. Marché. Ah, c'est peut-être le premier mot à apprendre. Oui. Allez, commerce encore.
Nanite. Ah, bah ça aussi, ça va me servir. Là. Vous trois, là, tiens. Je vous ai loupé. Voyage. Distorsion, très bien. Commerce. Bénéfice. Romain. Salut Romain. Bon, j'en suis au début, hein. Oh, vraiment tout début. Chef? Non, pas chef. Oh, je vais me permettre par contre un petit coup de. Peut-être qu'il est un peu trop au milieu du chat là, comme ça, là, parfait. Je réitère, pardon. Alors maintenant. Là voilà. Et c'est sur la même planète, si c'est pas beau ça. Lune de la planète inconnue. Lune inconnue de la planète inconnue. Parfait. C'est exactement ce qu'on veut entendre. Et c'est. Oh, c'est un truc d'eau. Oui, sur. Attends, je suis en train de faire quoi là? Attends, elle est où là? Je fonce dans quoi là? Oh putain, oui, d'accord. Par contre, il veut pas reculer, hein. Oh. C'est quoi cette planète? J'ai l'impression que tout est en flammes. Je sais même pas où est-ce que j'en étais dans le nuage là. Température extrême, ok. En plus, je suis en plein dans une tempête, d'accord, c'est pour ça. J'ai fait plus loin durant les tempêtes brûlantes, sérieux? Je vais peut-être devoir bientôt me construire 3-4 murs pour. Cible à portée. Ah oui, tiens. Alors, je vais quand même. Tout est en flammes. Quel endroit affreux. Ah, oh, je suis obligé de. Allez, vite. Revendiquer, vite. J'ai besoin de construire là, j'ai besoin de construire. Je suis en plein dans une table. Dans une tablette. Dans une tempête là, j'ai besoin de construire au moins 4 murs pour éviter de crever. Alors, mur. Il me faut du carbone! Sans déconner, il me faut vraiment du carbone là. Toi là. Putain, c'est du carbone condensé. Donne-moi du carbone normal. Du carbone, toi. Allez, 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 vite, vite, vite. Ok, nickel. Ok, maintenant la porte. Et genre, 4 murs et un toit.
Ouais, je fais ça schlagos, hein, mais. Et. Toi. Ah si, juste la porte n'était pas apparue. Ok, on est bon. Je vais pas crever aujourd'hui. Alors, bon, je vais évidemment récupérer tout ce qui n'est pas ce pourquoi nous sommes venus. Hein. Évidemment. Je l'ai, ok, c'est pas mal. Nanite. Nanite. Et tout ça. Bon. Toué. La balise de détresse. Il y a ici que la base de détresse d'un vaisseau qui s'est écrasé avec un signe de vitesse et chargé le journal. J'essaie de récupérer ce que je peux du journal de bord du vaisseau écrasé en passant en crible de diagnostic. Je comprends que son équipage soit arrêté victime d'une attaque violente et soudaine. Récupère l'enregistrement du cockpit. Par les données infinies, les innombrables avertissements d'erreurs déclenchées par les flammes qui ont consumé le vaisseau, il y a un fragment d'enregistrement aperçu derrière l'instant du vaisseau spatial. Code lag avoué. Ah, c'est sûr, je vais avoir du mal à comprendre. Son voix change, l'écriture étouffée du pilote s'estompe entrecoupée de paroles qui résonnent d'un ton clair et puissant. Resist the red, we shall cut out its crimson eye. La fin du message convient d'un signal de négation clair, un point dans les mots, mais pour qui? Prendre la balise de rendez-vous. Mort au tyran écarlate. Balise de rendez-vous. Hein? Quoi? 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 Ah oui, d'accord. Allez. Allez, là. Foutez-moi la paix, bordel. Et le dernier, il est là le dernier. Ok, c'est bon. Bon, les vaisseaux, on peut en faire quelque chose? Voyage de Zouaji. Oh putain de... Attends, par contre, il est pépite, hein? C'est juste qu'il est bon. 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 Bon, il est pas dans un état incroyable. Atteignez les coordonnées indiquées. Les coordonnées indiquées. C'est vrai que mon vaisseau est loin. Et c'est sur une autre planète, d'accord. Bon, je peux toujours garder ça. Que cherchais-je? Mon vaisseau actuel, celui qui fonctionne. Et où mon vrai vaisseau? C'est excusez, un autre vaisseau, merci. Eh bien ça, il est en dehors de la planète. Et sinon, j'ai le truc pour améliorer qui est loin. Oh, je peux toujours m'y arrêter un petit coup. Hein. En vrai, j'ai pas mal de métal. Autant m'y arrêter à rapidos. Combien de temps? Oh, c'est long. Non, pas trop. J'exagère un peu là. Ouais, j'ai un peu abusé.
Oh, c'est pas pareil hein, quand c'est pas en train de cramer sous une tempête en flammes là. Après, on dirait vraiment pas la même planète. Oh, si, quand même, c'est à peu près la même végétation. J'exagère. Voyons voir ici. Toi. Alors, nitrate, nanotube. Ok, nanotube, ça va faire vite. Je crois que j'ai pas mal de carbone. Et nanotube, voilà. Celui-là, tu vois, celui-là, j'en ai marre d'avoir des trous. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on peut enfin aller là où je comptais aller depuis le début. Je ne fais décidément aucun effort. C'est pas la bonne quête, c'est ça que je veux sous une étoile rebelle. Qui est normalement pas loin? Qui est où? Qui est là? Qui est où? Qui est là? Oula. Base de... Oula, mais ça a l'air d'être dans le vide. Il y a une planète par ici? Sur quoi est-ce que je vais tomber? Ce serait peut-être un vaisseau. Ah, ce serait peut-être l'un des trucs où on rentre dans un vaisseau abandonné et on fait bagarre avec des bestioles partout. Est-ce que ça va être un truc. Ça aurait été introuvable autrement. Hein. Oh putain! Ah bon! Joie. Ok. Ah, viens là toi, viens là toi, viens là toi, dépêche-toi de venir. Wouah, c'est qui sont tes boucliers résistants, ces petits enfoirés? Ah. Allez, la visée automatique là. Et merde. Allez, et demain. Paquet d'armes suspects. Yes. Batterie de bouclier Stellar. Ils sont combien en tout? Ils sont 3 ou ils étaient 4? Ils étaient 4, très bien. Et petit coup de roquette. Voilà. Et en plus j'ai une relique. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas rassurant. Communicateur. Mensonge sur marche. Vous souhaitez nous suivre, vous saisir de votre liberté, rejeter les grands mensonges de Atlas. Atlas. Nous verrons si vous êtes digne de la voie de la liberté. Défier la plan. J'envoie un gérer à travers le bruit. Ok. Ok. Oh, je dois encore. Suivez la. Oh, mais c'est encore l'autre bout. Je dois retourner là où j'étais. Je venais juste à l'autre bout pour faire bagarre contre des vaisseaux et ensuite revenir ici. C'est exactement la même planète. J'avais juste un aller-retour à faire quoi. Et c'est encore une position approximative en plus. Ça ressemble à un dépôt. Le truc, c'est que c'est une position approximative, j'aurais tant qu'à faire. C'est le vaisseau de tout à l'heure, ça? Attends, ça peut pas être encore le vaisseau de tout à l'heure, ça.
Bon bah. Arrêtons là. Non, en plus j'avais mis ma base à côté du vaisseau tout à l'heure. Celui-là, il a pas de base. De toute façon, c'est pas là. On va aller doucement, mais on va y aller, hein. Oh, c'est ça là, oh. C'est ça, hein. Ouais. M'en doutais. En diffusion, la voilà. Oh, d'abord on revendique un petit coup, hein. Une navigation, excellent. Alors, maintenant. Observatoire Jack, très bien. La voie de la liberté. Glorieux survivants, bienvenue. Le chemin de la liberté et seront nos propres maîtres. Débarrasser les illusions pourpres, le ciel pour les forts. Ces fusions terminées déterminent l'expression d'un passé sécurisé. Invitation aux obsédés à rencontrer cette voie de la liberté. Accepter l'invitation. Un billet vers la liberté. Ok. Un passe sécurisé du système acquis auprès de la voie de la liberté. Accepter l'invitation. Retournez à votre vaisseau. Vaisseau. Qu'est-ce que j'ai foutu de mon vaisseau? Il est là. J'ai vu un truc qui a fait piou. Oh, c'était un classe. Je vais me retrouver encore le bout de la galaxie. Désolé, je fais pas vraiment l'aventure principale, mais tout cela m'intrigue. Ce jeu m'intrigue, j'adore. Ouah, la classe. C'est trop la classe. Pardon, excusez-moi. Je me fascine très facilement pour les choses extrêmement classe. Alors, mission en cours. Mission en cours, c'est ça. Oui. Eh ben, on va s'y distorter. Et on y est. Et oh putain. Oh putain, oh putain, oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, pourquoi je... Qu'est-ce que c'est que ce système de ouf? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Interface Atlas, désolé, je suis intéressé par ce chose. Avec des couleurs absolument rassurantes, bien sûr. Où arrive-je? Ok.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai pas envie. Oh, c'est beau, mais... Oh, c'est beau, ça fait un peu peur par contre. Oh là là. Voyageur en atlas. Oh putain, il y a une nouvelle race. Pas à l'aise. Unité de Hulsden, interface Atlas. Enchanté. Fais venir à cette interface, mais dans le ski de mer obscure, il exige l'adoration, l'obéissance. Michael, il sait ce que je suis, il m'offre la possibilité de comprendre la vérité. Mais pourquoi, pourquoi un tel pouvoir, un tel savoir dédié à ce point la soumission, il sait ce que je pense avant même que ça me vienne à l'esprit, il sait ce que je vais faire. L'Atlas me demande de suivre sa voie. Étape éclaireur ou supérieur. Quoi? J'accepte. Le silence sabre-gorge de ma veille, la voie de l'illumination s'ouvre à moi. Nouvelle recette de produits à prise. Nanote captif. Une graine d'Atlas contenant un substrat quasi-stellaire localement décalé. Attention, n'essaie pas la matrice de cet espace dimensionnel. Quoi? Pas. Je comprends pas quel est ce... Que signifiait-ce? Et j'apprends plus de mots quand je vais là-dessus maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je me renseigne. Parce que là, j'avoue ne pas comprendre. Je peux créer un nouveau truc. Je vais le faire là-dedans. Un anode captif sans métal chromatique. Et ça, c'est quoi ça? Un détecteur d'anomalie? Une balise géométrique à usage unique qui sont en recherche d'anomalies proches. De tels objets sont hautement imprévisibles. Sélectionner un détecteur et utiliser comment? C'est ce qu'elle peut pour commencer le processus de localisation. Oh. Cette impression de découvrir un giga secret du jeu. Ça ne me rassure guère, je l'ai de main. Oh là là là. Il n'y a qu'une seule planète? Ah, on dirait que oui, en effet, il n'y a qu'une seule planète. Un seul système, une seule planète. Et un seul giga soleil de ouf qui crame tout. Comment ça, station en la loi? Ah oui, c'est bien ça, une station en la loi. Ah, c'est bien ça. Alors, l'entrée maintenant. Évidemment, elle est pas de mon côté. Pas là non plus. Sur moi, il y a pas mal de vaisseaux hors la loi, dis donc. Alors, par là, du coup. Là, trouvé. Alors, quelle est cette... Oh, c'est le bordel. Où c'est? Quoi? Je pense... Que l'on va s'arrêter là, pile à cet endroit-là pour aujourd'hui. On va découvrir ça pour la semaine prochaine. Je vous dis ciao à tous et à la prochaine.